Bon, bonjour, ça pète de partout, c'est la fête, terrible fête. Bonjour à tous. Salut, bienvenue pour ce deuxième épisode. C'est la guerre Enfin, dehors. deuxième épisode chez moi, mais du coup, toi, t'as avancé un petit peu plus. Hein, pour ceux qui veulent rattraper le début de la série, c'est chez EP. Il doit y avoir 4 ou 5 épisodes de dispo déjà. Oui? Et donc, bah, on se retrouve dans notre petit spot entouré de milliards de mobs, parce que c'est vraiment, vraiment blindé de mobs de partout là. Ah ben je confirme, hein. Je vois même un wizard en train de s'amuser tout seul, en train de se prendre des coups. On entend des explosions de partout, on se croirait vraiment sur un champ de bataille, genre Troisième Guerre mondiale, vraiment quoi. Ah. Oh le bordel, le bordel. Bref, en tout cas, on espère que vous allez bien, content de vous retrouver bah, pour la suite de cette série. Vais encore crever, fais chier. Ah, salut le wizard. Ah oui, t'as mis un petit compteur de mort. T'es déjà deux morts. Ah, enfin bon, bref. Oh, Redstone Comparator. Oh. Ouais, sans ça. Ouh, ça pue ça. Moi je vais péter un wizard parce qu'il est en train de s'amuser comme un con dehors. Hop. L'avantage c'est quand il fait nuit et puis du coup il y a le jour, c'est que la plupart meurent et on peut récupérer des bagues gratos. Mais comment tu fais? Alors pour aller de l'autre côté, je sais comment tu fais, mais pour revenir, tu fais comment? Bah, je construis un pont et je le pète derrière. Oh Voilà. là La là. technique de l'épée, hein, bien sûr. Ok, alors c'est parti. Alors du coup, là je suis en train d'avancer un petit peu sur... Alors, il nous faut principalement du gold, c'est un peu le bordel, il nous faut beaucoup beaucoup de gold. Et là pour l'instant, moi je suis en train d'avancer un petit peu sur la partie storage. Ouais. Normalement, on peut y avancer jusqu'à quel point, je sais pas trop, mais à partir du moment où il nous faut beaucoup d'or, ça va être compliqué d'avancer beaucoup plus l'autre partie du livre de quête. Ou sinon, comme on avait dit enfin, dans l'épisode précédent, voilà, source d'or, il y en a, mais je pense qu'il va falloir avoir un peu de chance pour avoir quelques loots. Alors, Taper une usine à mob, ça peut être pas mal. je t'invite à aller voir dehors de mon côté. J'ai des wizards qui sont en train de s'amuser. Je sais pas à quoi, mais ils s'amusent bien. Attends. Et très clairement, hein, ils s'amusent, hein. Regarde-lui. Va te faire tirer dessus. Ah, mais il y a du loot, eh. Ah, il est mort. T'as vu? Ils s'amusent. Les deux là. Écoute, franchement, la dernière fois, t'as eu une tête de wizard, donc si on peut en avoir d'autres, à la limite, nice, hein. Bon, c'est peut-être un petit peu prématuré pour se taper un wizard squelette, hein. On est bien d'accord. Mais Ouais, j'aime bien me taper les quelque chose. bon. Et s'ils se font la Ouais, ça, tête. c'est dans le cas où c'est dans le cas où tout va bien, hein. Parce que si c'est lui qui te tape, voilà, quoi. Ça pique un petit peu, quand Ouais, même. bah, moi je me mets dans la gueule du loup. Non, 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 un diamant seulement. Rien. Bon, bah, j'ai beaucoup de bagues. Les bagues, c'est ça te donne quelques petits bonus à droite à gauche, Bah non? ouais, et puis des fois si on peut avoir de l'or dedans. Ouais, c'est ce que tu disais avec les loot bags, il y a moyen de y a moyen avec les loot bags de choper de l'or. Effectivement, c'est quelque chose d'assez régulier, je crois. Oui. Mais t'en as eu là avec Bah là, des bagues, je crois, j'en ai une dizaine là. Oh, une deuxième tête de Wither. T'es sérieux? Je suis très sérieux. Mais t'as une chance de malade. Bon bah c'est bon, je suis riche, je vais faire un loto ce soir. Allez, salut. Non mais si on a ça, putain, mais c'est cool. Ah bah tu m'étonnes, attends. What is the craft? Je sais plus. Hop. Non, bah, bonjour, je reviens. Alors, voici votre deuxième tête. Ah oh, le mec. Easy. Nice. Pas bon. Alors, j'ai de la rotten, j'ai du nitère, j'ai des cœurs, j'ai des Nice, bagues. nice. Ah, les bagues, Voilà. les Et épées, ensuite, donc le dernier truc, c'est rare. il me faut un compacting drawer. Ok, donc ça permet d'organiser tous les ores que vous obtenez du sieve. Ok, on va voir comment ça fonctionne ce truc-là. Mais normalement, ça va nous mettre un petit peu de rangement dans tout ce que l'on a, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Ah, il faut encore des pistons, mais ce truc-là, ça bouffe la blinde de redstone quand même. Donc tu me diras, c'est un redstone par piston, c'est pas la mort non plus, hein, mais bon. Pas la mort, Hop. mais voilà.
Ouais, mais petit à petit, au stade où on en est, ça commence à picoter en fait, hein. Voilà. Non, 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 j'utilise pas ça. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Hop. Ok. Bon, bah, je vais continuer un petit peu mon mur de nuages. Bah, tu peux valider une nouvelle quête, fais-toi plaisir. Magnifique. Voilà. Encore un chance Icosaédron, hein? Bah, on se donnera rendez-vous plus Oui, tard. largement très loin, très lointain surtout. Grosse pulseur. Ouf, speech. Ça me dit quelque chose. De Magikrops, c'est ce que tu mets en dessous, j'en ai eu 12, donc c'est cool. Oh, magnifique. Et surtout Ouais, avec carrément. Et j'en ai 12, la hein. nouvelle version, je ne sais pas si tu sais, plus t'en mets en dessous, plus ça pousse vite. Tu veux dire, on peut en mettre plusieurs couches, hein, c'est ça? Ouais, bah c'est nice, hein. C'est nice, franchement, c'est méga, méga cool. Alors, comment ça marche, ces trucs-là? Parce que j'ai un... Le Hook Drawer, c'est comme un chest, je crois. Ouh, par contre, pour le péter, waouh. Ouais, bah après. Compacting Drawer. Blast résistance, blablabla, stack limit 16. Ah, il va falloir qu'on regarde. C'est pas un mode que je maîtrise, ça, le Storage Drawers. Je sais qu'il est sympa comme mode. Il est très Je sais qu'on sympa. peut faire des trucs vrais. Il Pardon? est très très sympa. Ouais, il y a des trucs assez sympas à faire. Écoute, j'ai crafté les trois éléments qui me demandaient. Par contre, faut voir un peu comment on peut. Il donne pas plus d'infos dans le livre de quête? Easier organizing all your ores. Ok, donc on est censé pouvoir mieux organiser les ores avec ce truc-là. Ah oui, si, 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 si. Ce truc-là, en gros, genre tu mets les broken iron dans un de ces trucs-là. Je crois que c'est le compacting. Et automatiquement, il va te les refusionner. Ou il y a un truc comme ça. Attends, on va regarder. Genre, Ah bah si tiens, je fais on parle ça. d'or, bah je Tiens, l'ai. regarde, 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 regarde. C'est trop bien ça. Tu vois? En gros, tu vas dans le coffre. Tu prends comment? Tu prends un stack de Powdered Iron, tu cliques dessus, tu le mets dedans, et lui automatiquement il va te mettre de la poudre, mais il te les met en bloc. Et donc là du coup je récupère directement les blocs en fait, tu vois? Ah ouais, c'est cool ça. Bon par contre il en faut un par type de ressource, donc en fait c'est très pratique, et en même temps à ce stade-là ça veut dire qu'il faudra en faire une blinde, parce qu'il faudra en faire un pour l'iron, un pour le gold, un pour... Bah, voilà, t'as compris le principe Ouais quoi. bah oui, un pour tout. Mais ouais, cool. Cool. Et ça marche comme les Jabba, non? Ah non, Ah, on peut mettre des upgrades là-dedans aussi. Oh là là. Ah ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal comme truc. Ok, pour l'instant, je vais ranger ça là. Et puis on va attaquer l'étape suivante. J'ai un rubber sapling méga. Oh purée, mais le truc si tu le fais pousser, laisse tomber quoi. Des underlings, tiens, ça c'est cool. Bon, bah c'est cool, c'est bien cool. Tiens. Hop, bon, Storage. j'ai qu'un Hop. gold dans les bagues que j'ai récupéré, mais T'as eu un gold, mais un lingot? oui. Ouais, bah c'est cool quand même. C'est quand même cool parce que de toute façon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. De toute façon, il nous en faut balle, donc ça fait toujours ça de moins. Quand tu vois que c'est 3%, là, en gros, tu t'es économisé... quoi? Tu t'es économisé 30... 30 blocs dans le sieve, donc ouais. Ouais, ça va plutôt. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas ici les déchets? Ah non. Hop, ok, donc là, storage upgrade. En gros, on va pouvoir faire de l'upgrade. Ah ouais, hein. De l'upgrade. Ok... Est-ce que j'ai des sticks? J'ai plus de sticks. Alors le bois, on en avait pas mal à droite à gauche, je crois, parce que ça y est, j'en ai plus. Ouais. Effectivement, on a bien fait de faire une grosse session farm au niveau du bois, parce que là, on est vraiment tranquille maintenant. Ouais. Vas-y, balance. C'est quoi Ok. déjà? Ok. Pas qu'il me faudra un deuxième Voilà. lingot pour être sûr. Donc on va en faire un seul. Ça c'est quoi l'invers? C'est du fer et du nickel, ouais. Ça c'est. En Donc ça, upgrade template. fait, Ah, je pourrais faire d'accord, le ok. sieve, mais en fait il manque juste un pauvre putain de gold. Un lingot? Juste un Oh lingot. merde! Tu veux savoir la meilleure ou pas? On a trois poudres. Non, mais sur la quête qui consiste à avancer sur la partie stockage. Ouais. Bah, dès la deuxième quête, je suis censé faire un storage upgrade 3, donc ce qui augmente le storage de 3. Et pour le faire, il me faut
4 de gold. Donc en gros, je me suis dit, on va pouvoir avancer sur autre chose, c'est cool, mais bah, les 4 gold, on va pas les pondre comme ça, donc... Ouais, effectivement. Ouais. Ah, c'est cool, après on va attaquer logistique pipe. Donc il faut 10 seaux de lave. Ça va, tu t'amuses bien? Je suis déjà quasiment mort, mais c'est ingérable. Oh merde. Il faudrait que je refasse plusieurs crucibles d'ailleurs, parce que bien joli, mais ça. Ah, je vais jamais y arriver quoi. Avec les espèces de trucs qui me bombardent là, c'est chaud. Parce qu'en soi, il y a trois creepers à tuer, c'est pas énorme, hein. Ben, y a beaucoup de withers et autres. Donc... Je vais accélérer le truc, moi. Parce que... Ça va, tu t'amuses? Ah, ça va cuire deux fois plus vite, ça va être déjà mieux. Pas envie de mourir. Mais si. Au moins une mort, ça pourrait être. Tu pourrais aimer. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais, ceci, je vais peut-être arriver à troisième. Alors, tac, on descend. T'es prêt? Deuxième, juste là. Yeah! J'ai tué tous les creepers! Ah, par contre, ce qu'on a débloqué, c'est une quête répétable. Oh, mais laisse tomber! Mais laisse tomber! Mais laisse tomber! Mais regarde, regarde, regarde ce qu'il faut pour la quête répétable, quoi. 3 Eye Offender, 15 Zanites. Ouais, je ne vous ai pas fait avancer des masses au final. Bon, bah ouais, mais non. Oh, c'était cool la petite sortie nocturne comme ça, hein? C'est sympa, mais c'est tout. Bon, bah ouais. J'ai eu un... Ouais, allez, reward bag, vas-y, de l'or. Speed belt, hey, nice. Un bon début, c'est tout. Par contre, il dit pas, il dit. Ah ouais, si, T'as de cool. l'or, t'as de l'or, t'as de l'or, dis-moi t'as de l'or. Non, 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 j'ai eu la speed belt. Et en fait, c'est une ceinture qui te fait vraiment, mais vraiment, vraiment aller beaucoup plus vite. Et je suis jaloux, je peux en avoir une. Bah, valide ton truc, mais oh, lapis lampe, ok. La Ah, quête cool. du meuble là. Ouais, c'est la quête du mob, ouais. Ah, t'auras peut-être la même chose. Je sais pas si, quand t'es en multi comme ça, s'il donne exactement la même chose à chaque Bah joueur en ou fait, pas. je l'ai eu, mais j'ai eu des lapis lampes, j'étais content. Bon, bah, c'est cool. Moi, je suis quand même content. T'en es où au niveau de l'opsy? Bah, il me faut beaucoup de commandes de lave. Malheureusement. Ça va être un petit peu chaud, je Ouais, pense. écoute, au pire, on ouvre, on regarde un peu les alentours. Mais par contre, très sincèrement, si si on est chaud pour déglinguer du pigment pour avoir du gold, franchement, on va jamais y arriver. Alors, si tu veux, vraiment si tu veux, je peux y aller en premier, hein, histoire de voir à quoi ça donne. Oh, franchement, t'inquiète, ça me dérange pas d'y aller avec toi. Parce que dans le Nether, tu vois, il nous faut crochet de Netherrack 64, 16 de Nether Quartz, et du coup du gold. Et ça nous fait une autre quête. Donc de toute façon, il nous demande d'y aller. Oui, Et en mais l'occurrence, après, il faudra aussi récupérer des bâtons de Blaze. Donc, Ah oui, quitte à avoir des têtes de Wither et avoir un spawner de Wither Boss. Ça va être cool. bon, Bon bah. t'es prêt ou pas? Oui, bah je suis dedans. Je me tâtais pour donner le gouac et dire fin de l'épisode. On verra ça la prochaine fois. Mais non, quand même pas. On va y aller juste pour voir. T'as le briquet sur toi quand même, au cas où? Oui. Ok. Ah bah ça va. Ah, on a un Oh. bon spot, hein, sérieux. Hein. Oh bah moi j'aime bien, je vais mettre un bon petit point là, hop. Ah non mais franchement c'est cool, bon on peut pas tout miner encore. Eh, mais attends. Le quartz avec l'iron pixel, ça fait du silk touch, mec. Oui mais même en bonne Cool. mine. Alors, ramasse. Ouais, au niveau du quartz, il faut tout ramasser parce que normalement, il nous en faut, je sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, 16, je crois. Mais tu sais qu'il y a d'autres ressources, hein. Il y a du. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du silver, il y a pas mal de choses. Ça, c'est. Ah là là là, Iron. c'est la magnifique. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah, j'ai enlevé une netherrack et puis j'ai eu un truc de lave qui m'est coulé sur moi donc. J'ai trouvé, hey mec, j'ai trouvé du diamant. J'ai trouvé pas mal de diamants. L'osmium, ça va être pratique. Du tin.
Bon bah je reviens. Il y a pas mal de coppers. Bon, ok. En gros, l'avantage, c'est que là, on va quand même s'économiser pas mal de farm intensif avec ça. Donc, en gros, ils ont laissé en gros un, j'ai envie de dire un nether entre guillemets normal de générer. On n'est pas sur une plateforme. Il y avait un modpack comme ça, je sais plus c'est lequel. Et quand tu générais le nether, t'arrivais sur une micro plateforme. Et puis bah démerde-toi parce que t'avais bah du coup t'avais tu pouvais rien Plutôt à faire. récupérer. C'était quel modpack ça? Je sais plus. Je l'ai fait aussi, j'ai vraiment fait, je crois que c'était Agrarian, mais je ne suis absolument pas Peut-être, sûr. genre, le ferrous, c'est bon ça aussi, avoir du ferrous. Ah oui. Magnésium. Il y a quelques champs pipi, je sais pas si ça vaut le coup. Ah par contre, tu sais quoi, moi je me suis barré, mais j'ai pas mis de. J'ai pas mis de waypoint, je crois que c'est un peu con, je crois. Et j'ai pas trouvé de gold, mais logiquement, tu vois, sans passer par la méthode pigmen, là on a moyen de trouver du gold en or, et ça va nous économiser énormément de temps, quoi. Ah bah Ah bah j'en ai super. trouvé! Oh putain, le diamant ici, il y en a 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, bah c'est ce 6. que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du gold, hein. J'ai trouvé du colme. Donc on a un de gold. Nice. Il en faudrait Épée. quand même plus que ça. Où est-ce que t'es mort, toi? Ah! Ah, au portail. What? Il y a une putain d'araignée au niveau du portail! Oh bah je te laisse t'en charger. Ah! C'est quoi ça? Elle me balance des toiles d'araignée et tout. Mais attends, je suis en Wither. Enfin, elle m'a bien fait. Elle fait Wither? What? Genre, what? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? J'arrive pas à enlever l'étoile d'araignée. Genre web. Oui, bah il faut une épée, une vraie épée en fait. C'est pas grave, je l'enlève quand même. Par contre, elle te met en effet Wither, fais gaffe, hein. Ah, casse-toi! Ah! Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, GG. Qu'est-ce qu'elle donne? Poison gland. Ok, très bien. D'accord. Et un petit bac qui fait. Du colle, du papier, des pommes. Ok. Ok, c'est toujours bon à prendre, hein, de toute manière. Bon, en tout cas, je pense que bah, le Nether, c'est dangereux, mais ça va valoir le coup de passer du temps là-dedans. Parce que bah, que ce soit au niveau des ores ou autre, ça va nous éviter de passer je sais pas combien de temps. Ah, ici, on pourrait récupérer un bloc de lave, tu vois. Ok. Eh ben, je peux t'officiellement dire que le site va être fait. Cool, 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 cool. Vas-y, il faut qu'on l'installe, du coup. Faut qu'on l'installe et puis Bon, oh, tu j'ai eu un meurs. gold. Wouah! Ouais, Après la bataille. une poudre de gold. Du coup Magnifique! maintenant on en a trois. Ouais. Ouais! Vas-y. Vas-y, vas-y, mets-le. On est crafté. Mets-le. Par contre des survivalistes là, tu me dis il m'en faut deux pour que ce soit suffisant, donc ça sert à rien d'en prendre de 50. Par contre, faut voir où est-ce qu'on installe ça. Ah, oh, GG. Ah, oh, ça fait Le foutoir tellement ici. plaisir, tellement plaisir. On a la grande place ici. Si je le colle comme ça fonctionne normalement? Ouais, ça fonctionne. Est-ce que c'est écrit le nombre de tics ou pas? Gardage. Sur il dit pas le nombre de tics que ça crée le bordel. Ah, le survivaliste, tu mets un bois et regarde. Power level 5. Power level 5, c'est 5 par tick, c'est ça? Ouais, c'est pas ouf, mais écoute, voilà, hein. Hop. Fais Vas-y, péter. à Ah, par plus. contre, le con. Ouais. Bah, ça y est, moi, je l'ai mis dedans, mais en fait, il faut qu'on puisse récupérer les items. Ah bah devant, c'est bon. Ah non, il a un petit. Oui, j'avais oublié qu'il avait un petit buffer. Ah ouais, nice. Alors, Bon, par contre, le encore qu'il buffer. consomme, quand même 40 RF le coco, ouais. Je pensais qu'il en consommait 10, mais non, c'est 40. Ah ouais, 40 quand même, c'est gras. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, déjà là, dans l'immédiat, ça permet d'avancer un petit peu. On a deux générateurs qui restent, hein. Après, il faut pouvoir tous les relier, parce que là, de la manière dont c'est fait. Ah bah, il est déjà à sec. Oh mon dieu! Non! Consuming 40 RF par tick. Ah ouais, il est gourmand. Nous, on en balance 10 là. Donc, même si j'en rajoute 2, on va en balancer 20 pour une conso de 40. Donc, on sera encore en dessous, quoi. Bon, tu sais quoi, l'avantage, c'est que le temps d'avancer sur d'autres choses, eh ben, lui, il tourne. Voilà, c'est déjà un bon point. Donc après, on arrive et on a juste à accueillir ce qu'on obtient. Donc, bah voilà, il reste à attaquer les upgrades, fortune et speed. Ceci dit, fortune, si de base on a 3% pour le gold, je sais pas de combien ça multiplie,
Et combien on peut en mettre au max, mais je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir pas mal de gold de cette manière-là. Hein. Pour mettre 64 des... Bah, un stack en fait. Tu peux mettre un stack d'upgrade. Ouais. Et chaque Deux stacks. upgrade monte de combien? Bah, je suis en train de les faire, mais je sais que une simple upgrade, je crois que ça t'augmente de 10 RF. Un truc comme ça, c'est assez coûteux en énergie, mais. Ah merde. Et ça augmente de combien le taux de drop du coup? Genre le gold on est à 3%, si on met une upgrade on passe à 4% ou Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Par contre à la fin le système en gros si tu peux mettre 64 puis 64, à la fin on va être à 168. Ouais, 168 RF parti qu'on sera en conso par contre. Ouais, ça va être cool. Hein. Mais après encore une fois, tu sais quoi, l'avantage c'est que là en attendant, et ben, le bordel il tourne. Donc nice. Nice, nice, nice. On fait quoi du coup? Là tu vas finir les upgrades avant qu'on se quitte? Ou qu'est-ce que tu veux Fais juste les speed upgrade et Ouais, fortune, comme ça on on se valide dit cette c'est petite là. quête-là, et puis je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode. C'est pas trop mal, on aura bien avancé aujourd'hui. Oui, et puis c'est quand même un épisode d'1 heure, je crois. Non. 30 minutes? Ouais, là on est à 30 minutes, ou peut-être un petit peu plus, mais non, 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 ouais, on est à 30-35 minutes. Et bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, t'as tout compris. On vous fait Magnifique. plaisir. Mais ouais, non, ça va encore. Ça va encore. Bon, pas de gold. Mais... T'es où, en fait? Moi, je suis au-dessus. J'ai traversé la base au moins 4 fois, genre... Mais il est où, épée? Je le vois nulle part, le mec. Aïe, aïe. Je suis à Tinker, je Bon, en m'amuse. tout cas, ce truc-là, j'espère qu'il va bien tourner parce que, bah, encore une fois, si tout se passe bien avec le gold, on va vraiment, mais vraiment pouvoir débloquer énormément de choses. On est bloqué sur pas mal de quêtes là. Et le gold, ça va être le déclencheur pour pas mal de trucs. Et puis, bah, le Nether, il va être là en coup de pouce, hein. Enfin, tu me diras non. Dans l'immédiat, l'automatique sieve, c'est lui le coup de pouce. Oui. Et le Nether, ça va être le gros apport en gold, même si c'est pas super sécure. On n'a pas un autre truc. Attends, je vais regarder pour upgrader le survivaliste, parce qu'à la limite, il y a le tir au-dessus, sinon au pire, on fait le tir au-dessus. Hein. Faire le tir au-dessus, on a dû faire, on a largement ce qu'il faut. Alors le Culinary Generator, lui, il utilise de la bouffe. Le Pink Generator, il utilise quoi, lui? Les colorants, tout ce qui est rose et Ouais, tout autres. ce qui est colorant. Et sinon, le survivaliste, si on l'upgrade... Ah ouais, mais non, laisse tomber, il nous faut le... C'est un QED Recipes, là, donc il nous faut... C'est une des quêtes à faire, on peut pas la faire. C'est le QED pour faire le truc au-dessus? Ouais, c'est QED, ouais. Parce qu'en fait, en gros, tu prends 8 survivalistes, et le transfert node, il faut que tu le fasses en version QED. Ah oui, non, mais je te parlais pas de ce Ah, moi, je générateur-là. parlais de celui-là, parce que du coup, t'étais en x8, on était à 40, donc c'était autosuffisant, quoi. Ah non, Tu moi je parlais te duquel? parlais du Furnace générateur. Ah. Il est mieux, lui, largement mieux. Et il est pas si compliqué que ça à faire, Vraiment, je t'invite à le faire. hein. Allez, je regarde si on a assez de ressources, sinon on va rapidement le faire dans cette paix. Alcool. Là, je pense qu'on aura goût d'avancer là. Ouais. C'est cool. Et alors, ah mais je vais pas avoir assez de fer, je crois, mec. Attends, je vais remettre en cuir tout de suite. Ouais, maison. Parce que là, je crois qu'on va être short, parce qu'il faut un bloc de fer et pas mal de fer. Mais Comment on peut se faire une poudre de colle rapidement? T'en as dans le coffre normalement ce que t'en obtiens? Du coal powder? Ouais, je crois, ouais. Non? Ou j'ai une... Parce que j'ai que du coal de base. Non, c'est du tungstène. Attends, je vais regarder. Ah merde, j'ai confondu. Ah, ils se Ah, c'est du ressemblent. tungstène, j'étais persuadé que c'était du coal. Ah, ils se ressemblent, hein, donc. Ouais, complètement. Bah moi j'étais persuadé que c'était... Qu'est-ce que j'ai foutu là? D'accord. Combien il m'en faut? 1, 2, 3, 4, 5. Bah je les ai, c'est good. Il me faut 2 redstone, un furnace, et on est bon. Hop, on va finir là-dessus. Et je pense que du coup... Yay, GG. Du coup, on aura une... Au niveau de l'énergie, on sera beaucoup mieux. Parce que les survivalistes, là, c'est cool, mais demain, on y est encore. Hein. Stone, 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 cobble. Demain, on y est encore. Et c'est pas cool. Hop. Là, lui, il est déjà à plat, lui, laisse tomber.
Hop. Là, par contre, ça avec les particules, c'est tellement chiant. Ouais, aurais-tu 3 de quartz? Non. Mais il y a du Nether Quartz dans un des Pas trop chests. sur moi, je suis Yay! Bah ça y est, on produit 40. On produit 40 RF Partic. C'est pas magnifique ça? ça, c'est bien. Donc ça veut dire que du coup, tant que le générateur est là, il va fonctionner en continu. Et en plus, autant te dire que vu que dedans je mets des planches de bois, on n'est pas en galère de bois, hein. On est largement bon, hein. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok, nice. Toi avec le fortune, ça va permettre d'accélérer le truc. Je sais pas si, je crois qu'on avait une transfert node en rab, mais je suis pas Transfert sûr. item, ouais, quelque part. Ouais. Parce qu'au pire, on pourrait caler ça dessus pour injecter dans un coffre, et puis comme ça, on est. Merde, transfert node liquide. Ah! Ah, je sais comment faire du colle pulvérisé, moi. Ah, Hop là. transfert node items. Oh, yes. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Hop. Oui, Pyrrhotérium, YOLO. Hop. Alors, Allez, take that. Et voilà. Franchement, c'est pas magnifique ça? Regardez-moi ce setup de ouf de la mort qui tue. Voilà, on a le coffre du coup, donc on a un buffer qui est largement plus important. Et pour l'instant, encore une fois, hein, voilà, on est sur du 40 RF, 40 RF. bon Donc, bah, la quête est finie. oh, GG. Alors attends, je remets du fuel là-dedans. Voilà, comme ceci. Et du coup, on commence à avoir pas mal de trucs qui tournent en automatique. Cool, ça fait plaisir. Bon, alors attends, si t'as validé la quête, on va terminer par ça. Oh, GG. Alors Alors, par contre, c'est le moment de rigoler, vas-y, mets les upgrades. voilà, j'ai mis les upgrades, hein. Et là, 246 RF partic. Oh la vache. Attends, t'es prêt, tu veux rigoler? Pan! 358 RF partic. Oui, on aura du Fortune 6, donc du coup on va être tranquille. Par contre, si on retire le speed, on est à 280, ouais, bon. Ah, le problème c'est que là pour l'instant on a juste un générateur qui fait du 40 et on consomme. On consommait combien on était monté? 350? Bah ouais, 358. Ah laisse tomber, il faut passer au cran supérieur sinon c'est mort. Mais bon, toujours est-il que déjà même si on met aucune upgrade ou au pire on met juste je sais pas, on met un ou deux fortunes, je sais pas quel est l'impact des fortunes dessus, mais on met un peu de fortune dessus. On sait que derrière, on peut éventuellement influencer sur les taux. Ouais. Sinon, on le laisse comme ça, hein, en 40, 40 en consommation et 40 en Ouais, génération. ce sera pas plus mal que Ouais, ça. parce que au moins du coup, on aura un débit qui sera plus important, donc on aura plus d'un petit peu de tout, donc ça me paraît pas trop mal. Et puis après, bah forcément, il va falloir qu'on augmente un petit peu la partie génération d'énergie après. J'ai eu comme toi, laisse tomber, washing machine, dishwasher, j'ai eu tous les trucs pour faire la vaisselle et tout le bordel là. On est bon. Bon bah écoutez, je pense qu'on va. Ouais, on va s'arrêter là, On va tranquille. s'arrêter là tranquillou les amis, on aura bien avancé encore une fois. Hop, on aura bien avancé aujourd'hui, on aura fait des choses assez sympatoches. Et Hey, tu puis. veux savoir quoi? Quoi? Grâce à la Netherrack Dust, j'ai un de gold constamment. Un ingot. Un minerai, une broken ore. Eh bah voilà, on a notre source de gold, nickel. Bah écoutez, prochain épisode, on va pouvoir largement avancer là-dessus, donc c'est plutôt cool. On vous fait tout plein de bisous et paix à la prochaine. Bon, à la prochaine, hein? Moi, je suis en train de m'amuser. Allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt.